Bonjour à tous, c'est le Bureau Furtif. L'heure est grave, c'est la fin de Dead Space. Nous allons devoir reprendre le vaisseau pour nous enfuir d'ici. Kendra Daniel l'a piqué avec le monolithe. Et Nicole, au fait, notre femme Nicole, en fait, on est en train de délirer. Donc voilà le résumé un peu débile. Et les cadavres qui se sont miraculeusement reconstruits. Mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de délirer. C'est la fin de Dead Space. Donc c'est parti pour le boss. Enfin, on va regarder vite fait si on a cette place. Largement. Allez, YOLO, on y va avec 3 grains de vie. Enfin, 3 trucs de vie. Mais que s'est-il passé ici? C'est le bazar. Et voilà Kendra qui a fait vite, hein. J'ai fait crasse comme une tête. Elle est complètement ratatinée. Là, il reste plus grand chose. Hein. Et voici le boss final. La reine mère. Un boss très impressionnant, je l'admets. Le design est super. Enfin. Au sens... Pas au sens... J'ai mal. C'est parti mon kiki. Alors ma grande, on a mal? Hein? Le fléau nécromorphe sera endigué grâce à moi, Isaac Clarke, ingénieur d'une compagnie. Alors là, c'est le passage le plus stressant. Je déteste ce passage. Ah, je déteste ce passage. Allez, Isaac. Ah, je vise mal, je vais me faire bouffer. Là, elle prend son temps, hein. Ah, elle est toute proche. Ah, je vais mourir. Non, je vais être mort, je vais être mort. Je vise trop mal. Oh, la chance, putain. Et je vous dis, ce passage là, je stresse à mort. Là, j'ai réussi. Là, il faut pas mourir. Et Isaac qui survient à une chute comme ça, quoi. Ouh, et je vous dis pas, je suis. Ah, elle a balancé ses cosses. Étonnant. Pour la reine. Ah ça, je l'ai jamais vu quand elle faisait en mode normal. Elle saute. Ma vie pour ailleurs, pour la reine mère. Meurs donc, mécréant. Fais don de ton corps pour être un micromorphe et ainsi servir la reine mère. Aïe. C'est étonnant, j'ai jamais vu faire ça en mode... Putain, elle me sort des attaques que j'ai jamais vues en mode normal. Ça, je les ai vues qu'en impossible, ces attaques. Ah, oh, je vais peut-être mourir. Allez, montre-moi tes cœurs. Bon, ça va, au moins, elle fait du challenge, elle met des trucs en plus. Wow. Ah, les effets de vent et tout, quand le monstre rigole, ça fait trop bien. J'espère juste qu'elle va pas nous refaire nos trucs parce qu'on a bien douillé. Là, j'ai plus qu'une vie.
yo. Yeah, je vais te défoncer. Je suis Isaac Clarke, l'ingénieur. Je vais te défoncer. Hop là. Et non. Tiens. J'ai pas trop mal. Voilà, c'est fini. Regardez-moi ça. Alors une fois j'ai fait le malin, je m'étais mis au bord là ici. Et en fait j'avais pas calculé ça. Voilà, ça. Mais t'es parti où? Voilà, bah là, et maintenant on va s'enfuir. Et là, il y a une jambe de Kendra. Ou des restes. Attends, ils sont où les morceaux de Kendra qu'on rigole un coup? Oh, on s'en fout de Kendra. Kendra, c'est une sale traître. C'est salope. Et je prends encore le temps de ramasser les munitions. Alors qu'il y a un gros caillou qui va nous tomber sur le nez. Et voilà, AJ7 n'est plus. Voilà, vous voyez la tête d'Isaac. On la voit au début, hein, mais comme j'avais pas mis l'intro. Voilà, ça finit bien. C'était sa femme. Donc, eh bien voilà, nous avons fini avec Dead Space. Alors, pour revenir, chose que je voulais expliquer à la fin. Bon, moi, je vous avoue, Nicole en mode délire hallucinatoire d'Isaac, je m'y attendais pas trop. La première fois que je l'ai fait. Je l'ai vu, bah, bien sûr, quand on l'a vu disparaître avec le monolithe, on s'est dit, ah, elle était pas vraie au fait, mais si. Et en fait, le fait que ça commence à dérailler, où on voit le... que Isaac déraille, vous vous souvenez dans l'épisode 11, quand on s'approchait des ordinateurs, moi j'ai souci du détail sur certains points. Alors on voit que les écrans ils commencent à délirer et à afficher les espèces de hiéroglyphes du monolithe. Et c'est là que, qu'après, c'est un détail qu'on, quand on refait le jeu, c'est là qu'on se dit, ah, en fait Isaac commençait à délirer dès le début. Déjà rien qu'avec les messages audio, quand Nicole l'appelait. Parfois on la voyait dans le jeu, des messages dans le jeu comme quoi elle disait Isaac nous ont plus qu'un. Et le fameux passage où on la voit bizarrement et Kendra dit qu'elle avait perdu son signal, c'est dans l'épisode 7, vous souvenez-vous, où elle nous ouvre la porte pour qu'on puisse avoir la clé. D'ailleurs je me demande comment Isaac a fait, s'il n'y aurait pas eu Nicole dans le délire, on sait pas comment Isaac a fait. Voilà, c'est complètement étrange. Donc et bien voilà, pour Dead Space c'est terminé. Il y en aurait fallu du temps pour Dead Space, hein, surtout pour revenir. En tout cas, pour ceux qui m'ont suivi sur ce cheminement de Dead Space, eh ben je vous remercie. Si vous avez des questions et des suggestions, n'hésitez pas à me les poser sur mon compte Twitter.
qui sera dans la description de la vidéo. J'ai beaucoup aimé ce jeu, Dead Space c'est un de mes préférés, c'est le premier carrément qui est mon favori. Et les autres sont bien mais ils ont perdu leur charme d'ambiance incroyablement malsaine et sombre. Pour le jeu qui va arriver après, alors je vous avoue que je suis en train d'hésiter. Il y a Shyboy qui m'avait dit c'est quand qu'on va avoir le retour d'Indiana Jones, donc quand est-ce qu'on va avoir un retour de Tomb Raider. Alors Shaiba, je t'avoue, je ne sais pas quand. Je pense faire quand même Tomb Raider juste après Dead Space. Mais je suis en train d'hésiter avec Shovel Knight. Parce que c'est un jeu où je me suis beaucoup énervé dessus. C'est un de mes jeux préférés également, donc j'hésite. J'ai trop de jeux en tête à vouloir vous faire, à vous montrer. Il y a Beyond Good and Evil que je voudrais vous montrer. Fear, Prince of Persia, oui, les Prince of Persia, je vais vous les faire. Et croyez-moi, Prince of Persia, c'est un jeu qui m'énerve aussi. Mais bon, on va voir si je vais me retenir, à mon avis, ouais. Je vous avoue, je sais pas sur quoi me lancer. Je penche plus quand même vers Tomb Raider. Tomb Raider Anniversary. Il va être long ce jeu-là, il va être long à finir, parce que j'ai mis 17 heures pour le finir, celui-là. J'ai bien galéré pour lui. Enfin bref, voilà, Dead Space, c'est terminé. Moi, je peux que vous le recommander. Un petit jeu d'horreur sympathique qui a pas mal vieilli, hein, franchement, pour un jeu qui date, il est corbeau. Donc, je vais vous dire à très bientôt pour de prochaines aventures. Je vous remercie et salut à tous!